Bien, que fait le aujourd'hui? Je vais aller faire les courses. Salut à tous, c'est Monsieur Madness02 et aujourd'hui on se retrouve pour la 8ème partie de ce défi. Non pas de ce défi, je la raconte moi, j'ai un peu du mal à m'y faire. De ce Let's Play Random, voilà, sur Pokémon Emerald. Et là, je suis un peu de shopping. Ouais, parce que j'en ai besoin. Je vais m'acheter des objets de soins. Pour être bien équipé. Parce que bon, on sait jamais. Dans la vie, il faut toujours être équipé pour... avant de reprendre la route. Donc hop, là, je prends des codes sorties. Et voilà. Ah non, c'est vrai, il me refaut aussi un autre truc pour tout à l'heure. La lettre port. Voilà. J'ai juste besoin d'une. Voilà. Non, tout est bon. Non, je me casse. Et on va pouvoir continuer notre route. Mais avant, je vais aller chercher un Pokémon que nous allons leveler ensemble dans cette partie et qui va peut-être évoluer. Hop, on va déplacer. Et on va prendre Iris. Hop là, on va remplacer... On va remplacer Justin pour le moment. Certes, j'aurais besoin de lui tout à l'heure, mais bon. Je reviendrai le rechercher plus tard quand Iris aura évolué. Allez hop. On court. Parce que pour le moment, j'ai pas encore de bicyclette. Oh bonjour, professeur. Oh, Madness, content de te voir ici. Mais on peut bien dire où se trouve Flora. Oh, je vois, vous ne faites pas la route ensemble. C'est comme vous préférez, il paraît que tu as la fonction match phone. Alors je devrais t'enregistrer. Je pourrais évaluer ton Pokédex. Comme vous voulez, professeur. Madness, s'il te plaît, garde sur Flora. Bon, je ferai mieux d'y aller, à bientôt. À bientôt, professeur. Bon, on va déplacer les Pokémon. On va mettre Iris ici. Et on va mettre Zelda là. Parce que là, on a un combat double. Ah, je voudrais aller partout pour montrer les adorables Pokémon. Rien de plus beau que deux Pokémon qui s'entraînent. Ça, c'est sûr, mon gars. Alors, Isabelle et Caleb. Wasseroi et Chuchemur. Mouep. Mouep. Parti. Alors, Buldo sur Chuchemur et un tenant Shelb sur les deux. Bon, là, le Chuchemur, c'est sûr qu'il est KO, là, voilà. Et à un moment, comparé à la partie précédente, vous avez vu que Zelda a monté de niveau, et normal. En off, j'entraîne toujours les Pokémon, sans les faire évoluer, évidemment, parce que, de toute façon, les évolutions, elles se passeront obligatoirement dans une partie. Allez, vous faites ça. Ok, toi, t'es pas KO. Puis là, en clair, ça fait que ça, tranche l'herbe. Alors pourtant c'est super efficace sur eux. C'est quoi les frocs? Tu arrêtes toujours vivant toi, auditeur tank. Allez on passe, vite fait. Allez Iris. Buclez tous. Non pas poisson roi. Tortonk si. Voilà. Et Zelda compte. Et voilà, Iris est monté niveau 16. Ce qui fait qu'à la fin du combat, elle va évoluer. Moi, je continue à buter des petits Pokémon. Tandis que ça me level encore. Et là, on va avoir un Corailion. Plus mauvais choix. Parce qu'il va prendre cher. Pouf. Allez. Petit pourri roche, faiblesse x4 face à la plante. Iris pose directement au niveau 17. Et j'ai battu Isabelle et Caleb. Oh non, je peux pas accepter ça. Ne tue donc aucun... machin, j'ai pas eu le temps de lire en votre passage. Bon, sur ce, passons à l'évolution. Hop, et hop là. Et Iris a évolué en Macronium.
Voilà. J'enregistre, parfait. Maintenant, je vais aller là-bas. On va faire demi-tour. On va aller rechercher Justin. Sac. Non. Je voulais essayer d'apprendre. Je me suis dit, j'aurais aimé apprendre coupe à notre cher Iris, mais en fait, je me suis dit non, pas besoin. Et hop, voilà. On va déplacer. On va prendre Justin, qui va retourner à sa place, parce que j'aurai besoin de lui. Voilà. En clair, notre cher Iris était juste présent pour un combat et pour une évolution. C'est déjà ça. Bon, allez, on reprend la route. Sur ma route, oui. Non, non, j'ai dit pas de chanson. Pas de chanson. Bon. On va monter là-haut. Petit scoop. Plouf. On coupe les arbres, évidemment, parce que Justin, il aime couper les arbres. Et là, un combat double. On est un peu à l'étroit ici. Je vais t'électriser avec mon solo de guitare. Ah bon, tu veux m'électriser, toi? Alors, Karateka Yorick, et puis Jeremiah, le guitariste. On l'a pour l'instant, le combo de Pokémon, là, face à moi. On a bien un craquenois que je butais. Enfin, là, maintenant. Mais l'empifleur, il est toujours pas mort. Hop là. Attends, j'ai pas d'attaque glace. On va le tuer. On fait du parfum. On va faire baisser mon esquive. Voilà. Pour la peine, je vais l'achever. De suite. Hop là. Donc je monte de niveau encore. Et je les ai battus tous les deux. Tu te débrouilles bien pour ton âge. Carrière est fichue. Dommage. Et qu'est-ce qu'on a là? PP plus. Qui nous permet d'augmenter les PP d'une attaque. Maman, en attendant, je vais faire des cueillettes. De baies. Parce que j'ai besoin de baies, moi. Hop, de baies mes peaux. Et puis encore une fois, de baies cerises. Les baies, c'est toujours pratique. Allez hop. Bonjour madame. Ne sens-tu pas le parfum de la défaite? Non, je la sens pas. J'étais obligé de la faire. Oga liquide. Bof le Pokémon. Il va rien comprendre le pauvre. Allez hop, de l'eau. Youp. Voilà. Au suivant. Qu'as-tu de bien? Un chameau. Oh, c'est protéiné encore une fois. Oh, allez, c'est Zelda. Zelda, elle est bien. Elle sait se battre, au moins. Allez, un peu d'eau. Ouh. Les combats sont de plus en plus passionnants, j'ai envie de dire. Ah ouais, ça c'est clair. Bon. Voilà, on gagne de l'argent. On va refaire un autre combat double. Là. On va affronter des jumelles. Eva et Wa. On retrouve encore Empiflore. Et c'est les chamallows. Et on croise des fois les mêmes Pokémon, dit au fur et à mesure. Bah, on va faire le même combo, écoute. L'Empiflore, il crève pas, mais l'Odi crève. Voilà. Hop là. Le chamallow boy. Ah, c'est plus que l'Empiflore. Il me fouette en plus. Ça sert à rien.
Et boum. Voilà. Plus de coups critiques, parfait. Tac. Et je les ai battus. Oh, on a perdu. Eh ouais, dommage. Nous enregistrons numéro. Mais enfin, la prochaine fois. Eve et Awa enregistrés. Oh, il y a un monsieur ici. Bon. On va mettre un état ici. Alors. Mon Pokémon est tellement adorable. Ne sois pas timide, je te le montre. Tu veux me montrer ton Pokémon? Alors, quel est ce Pokémon? Oh, ouais, il est tout à fait mignon. Hein. Il est tout à fait mignon, ton Pokémon. Attends, tu vas voir. Oh, il résiste encore un petit peu. Et il est bête, en plus. Tu sais que les attaques feu sur un détail, ça marche pour eux. Le pleurer. Il a rien fait, le pauvre. Il a pas lancé une... très bien une attaque. Ah, ton Pokémon chéri a été battu. Moi, oh, j'aimerais bien te affronter Michael. Michel. Oh, monsieur. Ah, ma ligne est tombée. Ça m'énerve. Allez, viens te battre. Tu veux que je vienne me battre? Ok, comme tu veux. Ali. Place à lui, oui, c'est bien lui. Ali, à bas, moi. Je peux pas m'empêcher de chanter. C'est une de mes passions de chanter. Même si c'est un let's play, je m'en fous, je chante comme je veux. Ça s'en serait trop plus que toi là, mais bon. Pas fal pour longtemps. Pouf. Le prince Ali, lui, il va dans les bas-fois de... Ouais, j'ai perdu le fil, bon. J'allais faire une blague, mais non, je vais pas la faire. Voilà. Et voilà, le pêcheur allié battu. Ça, c'est fait. Oh, il y a un objet ici. Bonjour. Si tu traces la mer, tu pourras te rendre une rosière. Non, j'ai pas envie de retourner en rosière. Je sais bien où je suis. Et je vais aller même chercher un objet. Et c'est un défense spec. Voilà. Voilà la maison, tiens. On te regarde. On observe. Hein, comment as-tu su où j'étais caché derrière la table? Tu as l'œil. Prends garde. Car je suis l'homme le plus mystérieux de toute la région Hoenn. On m'appelle le maître des pièges. Enchanté de te rencontrer. Toi, tu viens de révéler les défis de ma maison des pièges. C'est ça que tu es ici, hein, j'en suis sûr. Très bien. Tu peux participer. Entre par le parchemin et prépare-toi à ton plus grand mystère. Je t'attendrai derrière. C'est l'heure du défi de la maison des pièges. Alors. Petit labyrinthe, et on a des dresseuses qui se baladent. Grâce à Coupe, je viens de la prendre. Je vais vaincre mes ennemis. Ah bon. Comme tu veux. Arbok. On retrouve encore une fois. Au fur et à mesure qu'on avance dans le let's play, j'ai l'impression que les Pokémon sont toujours les mêmes, quoi. On retrouve un petit peu les mêmes. Non! Ouf, c'est bon. Oh, j'y vais non, parce qu'il y avait le Darvenin, c'est pour ça. Ce Darvenin, c'est casse-pied, t'as au moins 30% de chance d'être empoisonné. Voilà. Et pourquoi je suis sérieux? Enfin, ça dépend si je suis sérieux, des fois. Bam. Et Justin. On fait le jardinage. On coupe les arbres qui traînent. Sur le chemin. Hop, pouf. Tac, tac. Pioup. Petit scoop. Hop là. On va aller chercher l'objet qui est le haut. Comme ça, ça fera un objet en plus. Parce que j'en ai besoin d'objets. Plouf. Et je récupère une lettre orange.
J'aime écrire des lettres. La la la. C'est pas même facile à couper. Hop là. Bonjour. Mais qui est le maître des pièges? Ça, je me le demande, moi aussi. Me demande qui est le maître des pièges. N'est-ce pas, Suzette? Avec son petit lobe-bille. Et c'est une femelle. Moi aussi, j'ai une femelle. Qui a de faire des morsures. Ouf. Allez hop. Et un état, il monte de niveau. Pas encore, mais après. Après avoir battu ce magnifique Réjaïs qui danse. Moi, je vais lui brûler sa gueule. Et pour Caro, normal, il a beaucoup de défense spéciale. Ou vont glacer. Ça va pas servir à grand chose. T'as vu? Par contre, ça fait un peu baisser ma vitesse, mais je m'en fous, je suis trop rapide pour lui. Oui, on peut le chercher avec un coup de morsure. Là. Et hop, je poste niveau 28. Attentat cruel. Là, par contre, je switch. On va prendre mes gages. Je pense qu'il est mieux. Il sait se faire face à des tentacules cruels. Voilà. Tentacules cruels, il s'en fait à chaque fois quand il prend son petit déjeuner. Voilà. Hop. Et j'ai battu Suzette. Tu as gagné parce que j'ai perdu, mais moyen. Moi, j'ai pas le temps de lire. Et je chope un parchemin. Et je mémorise le code qui est écrit sur le parchemin. Bon, on va switcher un peu. On va mettre Arsenault un peu en avant parce que j'ai envie. Avant de quitter la maison des pièges. Allez Justin, fais ton boulot. Je me suis retrouvé dans cette étrange maison par hasard. Ah bon? Tu t'es perdu? Je t'ai déjà retrouvé la sortie, mon petit Eddie. Et ton petit Charmillon. Qui va pas tenir faire long feu face à mon Arsenault. Et Arsenault, il est trop fort. Par contre, face à des racailloux, on va voir s'il est fort. Parce que j'en fous. On va lui porter des ténèbres. Là, il est pas KO. Aïe 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 aïe. Ça va. Ça fait pas trop mal avec ses jets de pierre, lui. Là, dans tous les cas, il est KO. Voilà. Racaillou, goodbye. Arsenault gagne. Et j'ai vaincu Eddie. Et maintenant, j'ai perdu. Oui, t'as perdu, mon petit. Bon. On va couper. On coupe les algues. Hop. Et j'ai créé le code secret, le maître des pièges est formidable. La porte s'ouvre. Coucou, je suis là. Ah, tu m'as trouvé. Tu as l'œil. Il me fallait toute la nuit pour planter ces arbres. Tu y es presque aussi balèze que moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, près. Excellent, tu as gagné ce super bonbon que je te l'offre. Épargne-moi, ce sera un narquois. Je retrouverai d'autres pièges pour coller. Reviens-moi, un autre défi passionnant t'attend. On verra si je reviendrai un jour ici. Maintenant, moi je m'en vais. Si on va bien se décider, parce que je peux pas courir. Voilà. Bon, maintenant on va se rendre un peu plus au nord. D'abord, je chope un muscle plus. Et je vais affronter un petit. J'ai trouvé un Pokémon de sapin dans l'herbe aux alentours. C'est intéressant ta vie. Tim le rusé. J'ai hâte de vous refaire des jeux de mots. Bon, alors face à toi. Coup de pic. Bon, ça fait pas grand chose. Il fait de l'acide, ça c'est pas bon. C'est bon, je résiste. Et au moins il m'a pas empoisonné. Alors, voilà les gars. Et maintenant, Arsenault monte au niveau 27. Et ça, c'est bien. Et il va affronter un rapace de pique. Je vais switcher. Pidge 76, il va aller se battre. À la place d'Arsenault. Et hop, le rapace de pique qui danse.
Je balance un petit éclair dans sa tronche. Pouf, et voilà, goodbye. Hop là, et le bas du team. Être sympa ne suffit pas à gagner. Quoique, ça dépend. Alors, continuons. Oh, Flora. Ça gaze. Salut, Madness, ça fait longtemps. En cherchant d'autres Pokémon, j'ai permis le mien de devenir plus fort. Allez, que diras-tu un petit combat? Encore un combat? Tu t'épuises jamais, Flora, dit. Alors, oh, c'est vachement montré, ça. Les petits mélos. Allez, hop. Bien, bouffe. Il est même pas KO, purée. Il me fait joli sourire, plus doux baiser, super. Tout pour me faire chier. Et tu sais quoi, Flora? Moi aussi, je vais te faire chier. Je suis pas bête, moi. Je me suis dit, non, je vais pas attaquer avec Arsenault. Je vais appeler Arnetail et toi, t'as loupé ton berceuse. Ce qui est vraiment dommage. Et moi, je t'achève. Hop là. Ça, c'est fait. Et maintenant, tu vas appeler un Marcacrin. C'est encore plus pourri. J'ai l'impression que tu régresses au fur et à mesure, Flora. Au début, t'avais un Pokémon bien sympa. Et là, maintenant, t'as que des Pokémon pourris, quoi. Mais ça, c'est le random, ça, il paraît. Bonjour, Flora. Bon, ça, franchement, là, Flora, tu dis que tu fais des progrès. Là, moi, je dis que tu n'en fais pas du tout, là. Et le joli Flora résiste. Où ça, il a esquivé son passeport. Et moi, je t'achève. Voilà. Et j'ai rebattu Flora une fois de plus. Mince, tu es à un meilleur niveau que je le pensais. Eh ben oui. Madness, toi aussi, tu as passé beaucoup de temps à l'entraînement. Tu mérites une récompense. Voilà pour toi. Cherche objet. C'est un cherche objet. Et c'est le. Il y a des objets non invisibles dans le coin. On se reverra. Mais tu devrais t'entraîner encore plus la prochaine fois. C'est ça. C'est plutôt toi qui devrais t'entraîner, Flora. Tu as vu ton niveau. Si tu dis que je m'entraîne, je vais encore plus foutre la raclée. Après, si tu tiens la vie, hein. Il peut rien. Alors. Je pourrais voir tes Pokémon juste d'un coup d'œil, s'il te plaît. Ok, c'est parti pour un duo électrique. Alors, on fera un autre combat double, le collègue Martin et le guitariste Joseph. Blindix et le magnétique Hydros. Moi j'ai Arsenault et Megage, bon. Pour l'instant c'est pas trop un duo bof, parce que vu les Pokémon qu'il y a, en face de moi, je préfère faire gaffe à mes attaques. Bon, déjà le magnète, le blind Alice, il dégage. Et il va appeler un Smogon. Moi, je te fous des petits coups de ténèbres. Et t'es pas KO. Ton charge fait rien. Moi, je continue à porter mes attaques. Boum, elle va pleurer vers Smogo. Et puis, Meillège monte niveau 30. Et va apprendre double pied. Oui, je vais lui apprendre double pied parce que c'est efficace. Je vais enlever Mimikyu parce que c'est pourri. 1, 2, tadam. Meillège oublie Mimikyu et apprend double pied. Arsenault fait ton pic-pic sur Magnéti. Et puis voilà les KO. Donc il n'en reste plus qu'un. Oh, copain! Suicune! Oh, tu sais quoi, ton Suicune? Je vais te le one-shot kill. Pouf, et goodbye. Ce Suicune ne vaut pas mieux que le mien. Qui est beaucoup plus cheaté. Et voilà. Je voudrais compléter ma collection. T'as le groove, toi, au moins. Ouais, j'ai le groove. J'adore collectionner les numéros. Oui. Bon, je crois que je vais remettre un détail en tête.
Enfin, juste ici, pour l'entraîner un petit peu. Enfin, je le mets pas en tête, j'avais juste là. Alors. On a encore... Oh, un tournegrin, tiens. Pokémon que je n'ai pas. Va-t-on essayer de le capturer? Ouais, on va lui porter un petit tonnerre, hein, comme ça. Espoir de pas le tuer. Ouf, parfait. Il me fait vol-vie. Ça a rien foutre. Hop, je vais sortir Majora de sa boule pour aller l'endormir. Alors, ça sert encore plus à rien, méga sensu. Donc voilà, la petite hypnose. Elle fait un petit dodo, mon petit. Petit tournegrin. Allez hop, là il dort profondément, comme ça au moins il va pas m'embêter. Non, je veux pas, je veux l'utiliser sec. Pokéball. Et on va le capturer. Et un, et deux, trois. Hop là. Et voilà, tournegrin est attrapé. Les données de tournegrin sont ajoutées au Pokédex, le Pokémon Grain. Et oui, je lui donner un surnom. Et on va l'appeler... On va l'appeler... Voilà. Je vais l'appeler Chichi. Faut que je chope les chiffres encore. Celui-ci qui espie les chiffres. Chichi 61. Qui est ajouté dans le PC. Voilà. Bonjour. Je suis tombé sur de la piste cyclable. Ah bah ça c'est ballon ça. T'es tombé de la piste. Je sais pas comment tu t'es démerdé. Oh, un Kaibius. Ça va pas se faire grand chose, ça c'est mon arsenal tout cheaté. Quoique. Jusqu'il est one shot pas. Qui est pas encore tout à fait cheaté arsenal, mais bon. Il joue assez balèze. Voilà. Alissa. Alissa. Pas de moi. J'ai deviné tes intentions. Impossible que je perde. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Après la phrase auquel j'ai fail. Le Congrex. Pour une fois qu'on croit cette fois-ci des Pokémon qu'on a pourvus, ça change un peu. Bon, je suis obligé de faire des pic-pic malheureusement parce que les attaques ténèbres, les attaques psy, non pas psy mais spectre, ne marchent pas sur les types normaux. Malheureusement, il est bête le Congrex. Il va morfler. Hop là. Et je monte de l'XP. Et j'ai battu Edouard. Le kinésiste. Hop là. Et je récupère un élixir. Parce que j'en ai besoin d'élixir. Il y a encore des Pokémon sauvages qui traînent. Un ratata. C'est une femelle. Et bah tu sais quoi? J'en ai rien à foutre de ce ratata. Et moi, je chope des Pokéballs. C'est bien. Et encore, Pokémon sauvage. Encore un tournegrin. Que j'ai déjà. Hop là. 8. Parce que j'en veux pas. Hop là, je mets là. Bonjour, monsieur. Hé, ne te faufile pas derrière moi comme ça. Je voulais te faire une surprise. Mais malheureusement, ça a fail. Dommage. Il a 4 Pokémon, lui, et en plus, il a ça. Mouep. Mouep. Je peux balancer des coups de ténèbres. Est-ce que ça va le tuer? Oui, ça le tue. C'est bon. Ah, voilà, il va voir les Poutous, tiens. On va switcher. Les Poutous, un Pokémon qu'on n'a pas eu l'occasion de voir. Depuis le début. Hop, on attend les poutous. Et ben moi je vais le brûler. Pouf. Et voilà. Donc, les poutous n'a pas tenu longtemps. Et ensuite on a un autre axoloto. On tape toujours les mêmes merdes. Et hop. Arsenault. À toi de jouer.
Hop, on refait des coups de pic. Puis il reste encore un peu de vie, lui, ce fumier. Et Arsenal le reste encore aussi. Voilà. Arsenal monte au niveau 28. Maintenant, Pouzipi. Je vais switcher. Et on va mettre... un détail. On va mettre un détail. Ça va être plus efficace. Parce que le problème, c'est que j'ai pas de Pokémon qui auront des attaques sol. Ce qui est un peu bête. Faudrait que j'essaie d'en trouver. Il est pas KO. Faire rugissement, ça sert à rien. On pose Hippie, il est bête. Bon, je lui brûle la gueule. Voilà. Ça, c'est fait. Yannetail a battu le Fabio. J'ai perdu ce Plisty. Ça Plista. Souris blanche et Viper orange. Hop. Bon. Je récupère les Benanab. Faut bien faire le plein de baies. Et hop. Ça c'est bien. Là. Attends, non, il n'y a plus de dresseur. Maintenant, je vais aller au centre le Pokémon. Et on va s'arrêter là-dessus après cette longue partie. Qui a duré au moins plus de 30 minutes. Donc voilà, on soigne. Et la prochaine, voilà. Et on va s'arrêter là-dessus. En tout cas, j'espère que cette partie, comme d'habitude, vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire savoir et à le faire partager, évidemment. Et aussi, abonnez-vous à ma chaîne pour suivre d'autres vidéos, que ce soit Let's Play ou Défi. Et je vous donne rendez-vous bientôt pour la suite de ce défi spécial Let's Play sur... Non, pas défi spécial Let's Play, mais Let's Play Random sur Pokémon Emerald. Allez, salut à tous, ciao, bye bye.